Ladies and gentlemen, yes, as you can see, yes, we are welcome to this program. Yes, the program is ready. Yes, so stop saying yes. Yes, mon frère. Yes, okay. Yes, ça va. Yes, bon, attends d'abord, raconte les choses avant dehors. So, ladies and gentlemen, welcome to your program. L'émission, c'est tout simplement Droit de Rire. Droit de Rire, c'est cette émission là qui vous apporte la joie à la maison. Droit de Rire, cette émission-là qui vous procure beaucoup de bonheur. Droit de Rire aujourd'hui va mettre un peu de l'absence sur beaucoup de choses que vous aimez tant là-bas à la maison. Alors, celui qui rit une minute, il ajoute un an de plus à sa vie. Deux minutes, tu ajoutes deux ans de plus à ta vie. Si tu ris pendant 56 minutes, tu ne vas même plus jamais mourir. Oui. C'est votre émission préférée, hein, sur la meilleure des chaînes Canal 7. Harmonie. Alors, c'est tout simplement votre humble serviteur, Doc alias Cobra, le seul orphelin qui a encore son père et sa mère. Si le nom est très long, appelez-moi tout simplement Tambou Huhu. Alors, je vais donc commencer par présenter celui-là qu'on ne présente plus. Il est le pasteur, prophète, évangéliste Chapouyou. Mais je me pensais, c'est ça? Vraiment. Tu as commencé vraiment aujourd'hui avec beaucoup de problèmes. Tu commences par dire que oh, tu vas présenter celui-là qu'on ne présente plus. Mm-hmm. On ne me présente plus, tu me présentes alors pourquoi? Mm-hmm. Parce que je ne me présente plus. Ne me présente plus alors. Mm-hmm. Et même quand tu commences à me présenter, tu enlèves révérend. Tu enlèves révérend pour manger ça. Tu enlèves révérend, c'est pour te purger avec. Non, il ne faut pas me diminuer comme ça. Et je vais te rappeler, donc, alias Cobra, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de réclamer, n'est-ce pas, notre inscription au ministère de la Santé publique. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires qui sont affiliés au ministère de la Santé publique sont des fonctionnaires qui guérissent des malades. Et à ce titre, je pense que nous-mêmes, les pasteurs, nous devons être inscrits là-bas parce que nous faisons même plus que ces docteurs-là. Parce que non seulement nous guérissons les malades, nous réveillons même les malades, nous ressuscitons les malades, nous réveillons ceux qui dorment. Ouais. Hein? Et nous avons même déjà la capacité de garder un corps pendant 6 mois et plus même, sans que ça ne nous dérange à la maison. Aïe. Moi, je pense qu'avec toutes ces choses-ci, l'État devrait quand même nous féliciter. En vous classant. En nous inscrivant au ministère de la Santé publique. Donc, inscrit plutôt. En nous inscrivant au ministère de la fonction publique comme des fonctionnaires. C'est une bonne chose. Parce que nous partons même jusqu'à nous. Nous buvons même les produits mortels. Tels que la ratatouille d'ailleurs. Et ça ne nous fait rien. Voilà. Ça ne nous fait pas du mal. Mm-hmm. Donc, avec tout ceci, moi, je pense que nous méritons un respect de la part de l'État. D'où, je vous rappelle, je suis le révérend pasteur, prophète, évangéliste, Chapouyou Kayemon de Panzé. Voilà. Donc, tout le discours là, c'était pour finir par te présenter. Oui. En tout cas, il n'y a pas de problème. Bon, déjà, je vais d'abord demander qu'on mette les numéros sur le bas du petit écran pour que ceux qui sont à la maison puissent nous contacter, nous envoyer les SMS, les textos, les MST par ce numéro qui sont sur le bas de l'écran. Et il faudrait même déjà le rappeler, donc, alias Cobra. Oui, vision phénoménale. Qu'il faut vite réagir. Mm-hmm. Il ne faut pas attendre la fin. Parce que parfois, c'est quand on finit l'émission que les messages commencent encore à pleuvoir comme voilà. Si c'était la pluie. Parce que tu te rappelles de ce proverbe chinois qui dit que quand on gomme, moi, disangenda, ou comme ça, on dit, on va dire, bon, moi, que quand on banazoum. Alors, la feuille de coquille avait dit à lui, disangé, si tu veux rester là. Tu dors pendant que tu seras bien pour faire le coquille, la banane sera ya cuit au feu. Et si la banane, si la banane cuit pendant que le disangue est encore en train de dormir, on va faire le coquille, manger encore avec quoi?
C'est normal. Voilà. Voilà pourquoi l'escargot avait fait comprendre à la grenouille qu'il est interdit pour eux de sortir en plein soleil. Voilà. Parce que les peaux risqueraient d'avoir des attaques. Tu as compris. Bon, revenons d'abord sur une déclaration qu'on a faite en Algérie. Une déclaration que le ministre de Sport à l'Algérie, des Algériens ont, a, comment dire, c'est-à-dire le ministre des Sports algérien a fait une déclaration. Voilà. Sur quoi il annonce. Non, il n'a pas annoncé. Il a dit. Ah, il dit, pardon. Que si le Cameroun n'organise pas la CAN 2021, eux, l'Algérie, ils sont prêts à organiser. Ils sont prêts à organiser. Et il dit que c'est le chef de l'État algérien qui l'a chargé de dire ça. Et toi, tu es d'accord avec lui? Ouais. Je ne dois pas être d'accord avec lui que c'est lui qui déclare. Non, tu sais que si ça part là-bas, tu vas rater beaucoup des infidèles. Non, le problème n'est pas d'aller là-bas ou pas, donc alias Cobra. Le problème, t'as dit, ce qui me préoccupe tant, c'est que d'où sort cette idée? Parce qu'il y a un verset biblique dans ma Bible électronique. À 32, chapitre 32, verset, qui dit Nzemu Kemu Kemborg. Nzemu Kemu Kemborg. C'est-à-dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc alias Cobra. Donc, si ce ministre fait cette déclaration, ça veut dire que ça sort de quelque part. Donc, certainement. Bon, si ça sort de quelque part, aidez-moi à chercher d'où ça vient. Parce que je n'ose pas imaginer, pardon, autant pour moi, que ça vienne du Cameroun. Non! Ça peut même venir du Cameroun. Attention. Pourquoi ça peut ne pas venir du Cameroun? Bon, c'est vrai que j'accuse Ama Ama. Ah, le père là. Oui, le père Ama Ama là. Le père que son équipe mais a subi tout le monde entier. Mais je ne l'accuse pas totalement. Je l'accuse tout simplement parce que vu l'état de nos routes, quand tu arrives par exemple à Mokolo, tu vois l'état de la route de Mokolo, tu comprends que le Cameroun c'est un pays qui peut organiser une CAN, même une Coupe du Monde, même dans une semaine si on veut. Ça c'est clair. Quand tu regardes l'autoroute, c'est-à-dire Douala Yaoundé, qu'on est en train de construire depuis là. Ouais, ouais. Non, tu comprends que non, on peut organiser une Coupe du Monde, on peut organiser une CAN même à moins de 6 mois. Ça, c'est clair. On est tu prêt. Ouais, ouais. Lorsque tu regardes l'embouteillage qu'il y a à l'entrée de la ville, c'est-à-dire à Olembe. Olembe, là. Voilà, Olembe, Kozwa, Olembe, tout quand ça. Si tu cantes à Kozwa, hein, c'est grave. Quand tu vois l'embouteillage, tu comprends que non. On peut organiser une CAN sans problème chez nous. Lorsque tu te rappelles de la déclaration de l'ancien ministre des Sports qui avait dit que les instructions du chef de l'État sont des ordres. Mais tu comprends que non. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses avec la bouche au Cameroun. Donc nous pouvons organiser une CAN au Cameroun avec la bouche. Même en la bouche, c'est trop lent avec la pensée. J'ai dit, rien que le fait de parler comme ça, on va. Et il se pourrait donc que quand Ama regarde un peu le Cameroun comme ça, là-bas, il constate qu'à Olembe, le chantier est arrêté. Il constate, il regarde un peu, bon, il voit que Japoma a Douala en train de d'évoluer. Quand il regarde un peu Bafoussam avec les creux et tout, le gars se pose des points d'interrogation. Que est-ce que dans 2 ans, est-ce que ces gens-là seront prêts? Mais là, il fait erreur! Nous serons prêts! Avant même les 2 ans? Ah, mais comment? Quand il te dit que même si c'est dans une semaine, nous serons prêts. Toi, tu ne comprends pas. Et pourtant, le stade d'Olembe, je suivais l'entrepreneur dernièrement qui fait une déclaration en disant qu'ils seront prêts avant l'examen. Ils vont livrer.
Décembre qui était passé, parce qu'il faut bien le préciser. Non, décembre qui vient. Décembre qui vient, c'est oui. Encore. Donc encore un deuxième décembre. Oui, oui. Pourtant. Parce qu'il a, il a tenu à signaler que non, les travaux étaient à l'arrêt parce qu'ils avaient eu des petits problèmes techniques. Non, là, je suis d'accord. Voilà. Donc, actuellement, ils attendent que hein, le reste, les autres, fassent leur travail et lui aussi, bon. Il fait sa ou part. Ou alors, peut-être, ils sont toujours dans l'optique des stades préfabriqués en Europe où les stades sont devenus les. Toi-même, tu sais comment ça se passe ici. Ce n'est que comme ça. Toi-même, tu sais qu'on emporte tout ici au Cameroun. Si tu n'as pas les toilettes chez toi, pas de stress. Passe la commande là-bas, en Europe, ça va venir. C'est là où tu confirmes que ce pays triangulaire dont le drapeau commence par vert, non? Tout se passe autour des verts. C'est comme ça. Tout, c'est autour des verts. Nous sommes ailleurs habitués. Détournement, c'est autour des verts. Mm-hmm. C'est autour des verts. Oui, oui. Corruption, c'est autour des verts. Voilà. Des verts. Voler son voisin. Voler, c'est autour des verts, autour des verts. Escroquer sa voisine. Autour des verts, autour des verts. Ouais. Voler même l'enfant détruit. Autour des verts. Même les décisions de notre pays sont prises dans un palais des verts. Voilà, ça c'est clair. Bon. On va faire comment? Je constate donc que la déclaration du ministre des Sports algérien, cette déclaration-là, la source vient d'ici. Mais par contre, si la source vient d'ici, moi, je m'inquiète toujours pour les pasteurs. Non, ne t'inquiète pas encore pour les pasteurs. La source vient du stade Wembley. Mm-hmm. C'est quand les gens ont vu que le stade Wembley mm-hmm. est déjà en construction, parce qu'il faut le rappeler, on est en train de construire une grande maison là-bas, où c'est la maison, où c'est les boutiques, où c'est quoi, je ne sais pas. Mmh. C'est quand ils ont compris qu'on est en train de construire les boutiques là où devait se dérouler peut-être un match de la CAN. Mmh. Ils ont compris que non, avec l'histoire là, les gars là ne seront pas prêts. Quant à nous les pasteurs, est-ce que nous, moi, un pasteur comme moi, avec tous les pasteurs que j'ai déjà formés, je ne m'inquiète plus de rien. Je ne m'inquiète plus de rien. J'ai formé le pasteur, le prophète Tichap. Mmh. J'ai formé le révérend Nkable Sekendi. Mmh. J'ai formé le docteur Tchala Osuka. Ils sont nombreux. Mmh. Ils sont nombreux. Même le prophète Tichap. Oui, le prophète Tichap qui est ici à Mendon, non? Mmh. Le prophète Tichap qui est à Mendon. J'ai formé. Donc, je ne pense pas que mon niveau aujourd'hui serait encore au niveau de la CAN. Tu comprends? C'est bon. Pas au niveau de la CAN. Car même la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'encourage le ministre des Sports algérien hein, pour son courage. Hein? De se placer devant les médias, le monde entier te regarde et tu leur dis que tu es prêt. Alors qu'ici, on dit plutôt que nous serons prêts. Il y a une différence. Lui, il est direct. Ici, donc, on est indirect. Donc, toi, tu fais maintenant une analyse des phrases alors. Bien sûr. Donc, chez nous, on a dit nous serons prêts. Et chez eux, et lui, il dit nous sommes prêts. Donc, c'est parce qu'on est prêt qu'il faut arracher le plat de ton voisin et manger. Pourtant, toi, tu as mangé. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné, parce qu'on leur a laissé la non, canne. Attends, il y a quelque chose que tu c'est ne comprends pas. C'est qu'on leur a laissé sa attends, canne. 2017, hein, c'est le Cameroun qui tenait le trophée. Mmh. Et le Cameroun devait organiser en 2019 donc, parce qu'il tenait le trophée. Donc, comme eux, ils tiennent le trophée. Voilà, 2021 leur correspond. Ce n'est que normal. Bon, comme ça a glissé au Cameroun. Ça va aussi glisser chez eux. Voilà. Et ça va revenir chez nous en passant par la Côte d'Ivoire. Non. Ne dis pas que ça va revenir chez nous en passant par la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça va revenir chez nous. Même s'il faut qu'on aille jouer ce match à Mateko. Au stade Sa Majesté Hapichenko Achila. On va aller jouer là-bas. Ah. Oui. Bon. Comme vous avez entendu, à bon entendeur, salut à vous. Bon, il y a le numéro là pour les SMS et les MS et les textos. N'attendez pas les derniers instants de l'émission pour commencer à envoyer les messages cling, 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 cling.
on ne sera plus avec vous. Bon, avant de prendre autre chose, tu sais que j'aime souvent te faire respirer, non? Justement. Il faut que tu respires. Majera, donne-nous d'abord une transition là. Il faut que Pasteur prenne d'abord un verre d'eau avant qu'on revienne avec des bonnes choses. Une transition. Numba. Qu'est-ce que Numba dans la salle? Numbu. Oh là 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 là. Alors, vous êtes toujours sur Droit de Rire, votre émission préférée. Cette fois-ci, on va prendre le thème du jour. L'émission que vous aimez regarder, même voilà, quand elle ne passe pas. Mm-hmm. Le thème du jour, c'est tout simplement le public cible. Le public cible. Le public cible, c'est quoi? Voilà. C'est juste un public en cible, non? Mm-hmm. Ça veut dire que tu peux organiser ton spectacle à partir des gens de ta maison. C'est-à-dire que tu cibles seulement les gens de ta maison. Mm-hmm. Tu dis, j'organise mon spectacle pour mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes tantes, mes oncles. Ou alors, tu peux dire que je cible seulement... Les gros poissons. Non, c'est-à-dire rien que les gens de Balingou. Par exemple, mm-hmm, je cible seulement les gens de Balingou. J'organise mon spectacle rien que pour les gens de Balingou. C'est ça qu'on appelle public cible, non? Donc tu as ciblé, mm-hmm, une couche, mm-hmm, n'est-ce pas? Des personnes. Des personnes, mm-hmm, voilà. Donc tu peux organiser un spectacle qui ne correspond pas, par exemple, à tout le monde. Mm-hmm. Je prends l'exemple, si j'organise un spectacle en langue, peut-être en Balingou. Tu vas cibler les Balingou, si j'ai mis Majera, elle ne va rien comprendre. Ça, c'est clair. Pendant qu'elle sera en train de parler en Balingou, elle ne va rien comprendre. Mm-hmm. C'est-à-dire, pour prendre part donc, à ce spectacle-là, il faut être Balingou. Bon, mm-hmm, si donc Alias Cobra organise un spectacle, et un spectacle en anglais, tous ceux qui n'entendent pas l'anglais, qui ne comprennent pas l'anglais, ne peuvent pas prendre part à ce spectacle, mm-hmm, parce que ce spectacle est dit en anglais. Ici, là, on parle donc d'un public cible qui n'est rien d'autre que les anglophones. Mm-hmm. Donc, c'est ça qu'on appelle public cible. Ah, non, c'est important. Bon, ceux qui sont à la maison, parce que moi, j'aime souvent qu'on fonctionne avec ceux qui sont à la maison. C'est ça, c'est très important. Très important. Certainement, ils ont aussi des petites idées par rapport au thème de la journée, mm-hmm, au thème du jour. Donc, vous qui êtes à la maison, on attend vos textos, vos MST et vos SMS. Déjà. Me demande de plus. Voilà. Repapapapa, matcha échec mi Satan. La semaine passée, j'ai fait une terrible erreur à l'église. J'ai commencé l'église par la prédication. Avant d'arriver sur les dîmes et les offrandes, l'église était presque vide. Tout le monde était rentré. Donc aujourd'hui, tu veux commencer d'abord par, par les offrandes? Là, j'ai compris que non, franchement, j'ai compris l'important de commencer toujours par les dîmes et les offrandes à l'église. Alléluia. C'est très important. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu arrives à l'église, tu prends d'abord les dîmes et les offrandes avant de continuer à autre chose. Bon. Tu sais, en passant même, non, ça va. On prend d'abord l'élément. Non? Normalement. Parce que j'ai failli lancer une bombe. Hein. Non, non, lance pas la bombe. Hey, donc, on ne sait jamais. Tu sais que, est-ce que tu sais qu'il y a déjà les bombes à Yaoundé? Oui, la grenade. Oui, la grenade. Est-ce que tu sais que moi-même, j'ai fui le truc là, le jour là. Mais Cobra, on parle comme ça. Hein. Prends la femme. Si j'avais la femme de son voisin, ce n'est pas bon. Hein. C'est le problème. J'ai pris la femme de mon voisin quand on peut boire une bière quelque part avec Dubaï là-bas à Tinga. Ouais. Mais ça. Je prends la bière que je veux mettre la bière comme ça au nom de Chapesou Yahweh. J'entends que je. En bombe. Et tu t'es retrouvé où? J'ai sauté. Quand j'ai sauté, j'ai toussé trois fois. C'est quand j'ai toussé pour la troisième fois que j'ai compris que je n'étais pas encore mort. Et la femme était où? Hein?
Est-ce que la qualité là, tu cherches encore à te reconnaître là où se trouve la femme? C'est sauf qui peut. Parce que, oui. Il y a même les blessés là-bas. Hein? Non, on dit que la sortie est collective. Mm-hmm. Mais sauf qui peut est individuel, monsieur. Ça, c'est clair. Sauf qui peut est individuel. Donc... Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si la femme de mon voisin est rentrée. Okay. Je vous assure que c'est quand j'ai toussé trois fois. C'est pour la troisième fois quand je veux. Que j'ai compris que moi-même, je n'étais pas encore mort. Oui, mais ce qui m'a fait là, c'est que même les gâteaux qui sont arrivés là-bas avaient peur. Hein? Même les gâteaux avaient peur. C'est là où j'ai compris que hey, donc même les gâteaux ont peur de la mort. Merci beaucoup. On t'a dit qu'on meurt deux fois. C'est là où j'ai compris que... Regarde, ils sont venus chanter à l'extérieur. Ils regardaient en distance. Attention. Attention. J'ai compris que l'amour n'est pas la soeur de quelqu'un de papa. Merde. Hey. En tout cas. Mais quand même, qu'on parle comme ça, donc. Ils ont fait. Les gâteaux qui avaient peur l'enfer. Ils sont formés pour mourir. Mais c'est clair. Et comment les gens qui sont formés pour mourir arrivent là où il faut mourir? Ils fuient. Moi-même, je voulais faire l'histoire là. Je ne fais plus ça. Ouais. Et bien sûr, moi-même, je voulais mettre la hache sur mon âge hein, pour aller faire. Non, gars, je laisse la hache du voisin. Les gars, nous, on blague seulement parce qu'on a trop bu à mon temps. On a trop bu, nous sommes mis à nos soupes. On ne savait pas que le jus naturel serait les enfants. Non, vous êtes très fort. Non, vous êtes là. Vous faites bien votre travail. Les gens là, ils font bien le travail. Hein. Les gens là travaillent très bien. Hein. Oui. Ce n'est pas pour. Et là où j'ai respecté les gens là, hein, surtout les bérets noirs là. Oui. Surtout les bérets noirs. Oui. Mon frère, quand tu les appelles, par exemple, tu es rentré Simba. Allô. Quand tu dis allô, il découvre, il dit allô. Quand il découvre comme ça, il se dit que bon, peut-être c'est un benzikineur qui a cogné un enfant. Oui. Ils appellent ça le gombo. Oui. Mm-hmm. Dès qu'on dit qu'on est en train de braquer ici derrière les tradex Simba. Et quoi? On est en train de braquer ici derrière les tradex Simba. Mmh. Il demande, on fait quoi? Tu vois, la voix baisse d'abord. Il change. Quand on insiste, les gars, dès que les gars raccrochent là, ils prennent leur voiture, non? Le sans payer là. Oui. Ping-pong. Et les gars sont techniques, hein? Ils laissent la route, ils passent tout droit pour venir à l'entrée Simbok. Ils partent contourner, tu vas voir, ils vont contourner par le carrefour Biemassi. Mmh. Aller passer, sortir par Damas, aller contourner par Ebogo, sortir de l'autre côté là. Oui. Vous savez tout cet embrouillage là, parce qu'ils savent qu'avant d'arriver. Oui, non, entre-temps, ça a l'air rassuré qu'ils vont seulement arriver pour venir prendre les pots cassés. Bien sûr. Ouais. Quand les gars arrivent sur le terrain, mon frère, toi l'innocent qui n'a pas de cas denté en poche, tu vas confirmer le côte. On te prend là. Tu vas payer pour les braqueurs qui ont braqué jusqu'à partir là. Tu vas payer pour eux. Les gars, on blague seulement, on vous lance. On vous lance. Parfois, on mange la cola là. Ça nous dérange. Et moi, j'ai dit à Cobra, franchement, je t'ai dit que quand on vient à cette émission, ne me donne plus la cola. Parce que chaque fois qu'elle mange la cola, je dis même des choses qu'il ne faut pas dire. Toi-même, tu sais que quand tu manges la cola, ça rougit les dents. Il faut beaucoup bavarder pour que les dents blanchissent. C'est normal. Non, moi, je ne veux plus beaucoup bavarder. Moi, j'ai dit ça, Cobra. Les gens bérés noirs là. Je te comprends. Non, c'est les gens bien. Non, c'est les gens bien. Et ils sont toujours chauds, galants. Toujours chauds. Il dit que leur rang est bien ciré. Hein. Ici, le rang déjà correctement et bien. Hein. Ça brille. Les seules personnes, quand ils partent au travail, avec les poches vides. Hein, mais ils rentrent toujours avec les poches pleines. Hein. Oui. J'aimerais être l'enfant de un. Hein. Parce qu'il y a toutes les provisions quand papa rentre. Non, c'est des gens bien. Ils sont bien. Non, c'est des gens bien. Ils sont bien. Ah. En tout cas, Marge, je donne l'élément. C'est qui encore là? Nana Ado, voilà. Nana Ado. Il va faire, c'est quoi la goutte, non? C'est la goutte. Voilà, Nana Ado. Donne-nous les choses. Nana Ado. Donne-nous ça. Oh. J'ai trop mangé. Vraiment. Parce que. Mais. Les amis. Est-ce que vous avez appris que M. Amadou a attrapé la goutte?
Vous connaissez la goutte, non? Et monsieur Amadou a attrapé la goutte. Il a commencé à goûter tout ce qu'il voit sur son chemin. Il voit quelqu'un en train de manger dans un restaurant, il commence à goûter. Dès que les gens s'effacent, il sort son carnet d'hôpital. On voit, il a la goutte. Mais le quartier n'avait pas mal pris ça au départ. Hein. C'est quand M. Amadou a commencé à goûter la femme de son frère. C'est là que le Lamido lui-même s'est fâché. Le Lamido a dit qu'on doit bastonner tonton M. Amadou parce que si on, comme c'est la goutte qui goûte tout, il faut qu'il goûte la chicotte du Lamido. C'est-à-dire que le Lamido s'est fâché, Bon, j'ai traduit les colères du Lamido. Hein. À un moment donné, on m'avait recruté au Lamida juste pour la traduction de colère royale. Bira Lamido umiturti fongini bira tutitiri tibi. C'est-à-dire que le Lamido a attaché son visage, on a pensé même que c'est un citron qu'on a pressé. Le Lamido a dit que non, il faut qu'on l'amène ici. Et on dit que ce n'est que Nana Ardo qui va attraper M. Amadou pour l'amener au Lamida, pour une fessée lamidale. C'est-à-dire le genre qu'on donne seulement au Lamida. Et on m'a dépêché chez lui pour le récupérer. Attendez. Allô? Ah, Mr. Mbafor. How are you? Ah, Mr. Mbafor, sorry. What do you say? So you lock your own phone with a very known number so that your wife cannot get access to your phone. And now it is difficult for you to enter your own phone. Sorry, Mr. Mbafor. And now what is to be done? Let me ask some people here, they are in number, to have some experience on that domain. Maybe they can help you. Let me ask them. S'il vous plaît, Mr. Mbafor, il ne voulait pas gâter son foyer. Il a bloqué son téléphone et le numéro est tellement long qu'il n'arrive pas à déverrouiller ça. S'il vous plaît, il y a les mariés pour l'aider parce que... S'il vous plaît, faites vite parce que les mariés, pour déverrouiller le téléphone des mariés, c'est comme ça. S'il vous plaît, aidez-le, s'il vous plaît. Hein? Woody? You would like to help him? Attends. Mr. Mbafor, a woman can help you. Yes, she can help you. Okay. Les amis, on était à quel niveau? À quel niveau? Voilà. On m'a dit que ce n'est que moi qui dois attraper, parce que je suis sévère et moi je ne blague pas. On a dit qu'il n'y a que Nana Ardo pour attraper M. Amadou et l'amener à l'Olamida pour qu'on le soigne de sa goutte-là d'une façon lamidale. Alors je suis arrivé chez lui, j'ai commencé à gronder. Et moi je gronde quand je me fâche. Monsieur Amadou, tata tante maru bi fon le rejo. Mi nanga maru mi boxa ma famille. Mi nanga ma mi yirla ma mi tourna mi tapa ma mi brutalisa ma. Mi sakina mado. Et puis je te récupère mi jo ina ma mi nosa ma. Je te boxe mi tapa ma mi takina mi darna ma bani mi bota ma bani.
Les amis, je n'ai pas fini de gronder. J'ai compris que M. Amadou connaissait mon secret. Quand quelqu'un connaît ton secret, tu es mort. Même quand tu vas au combat et que tu ne meurs pas là-bas, c'est que celui qui connaît ton secret n'y est pas. C'est pas ça? Vous savez que mon secret, j'adore tout ce qui mousse, les bouteilles qui moussent, j'adore. Il m'a servi ça à la 14e bouteille. Quand il a entendu comment j'ai commencé à insulter le Lamido, il est content. C'est là qu'il m'a donné l'argent de taxi même. Je suis revenu chez le Lamido. S'il vous plaît, Votre Majesté, Monsieur le Lamido, le monsieur Amadou, il est absent, hein? Il est absent, mais wallahi, son accueil est parfait. Je ne sais pas si le Lamida aussi ne peut pas copier ce genre d'accueil, parce que quand tu arrives, wallahi, je n'ai pas trouvé le monsieur. Il a brillé par son absence, mais son accueil quand même, rien à dire. Et c'est là que les amis, le Lamido m'a fessé et j'ai perdu mon poste. Merci. Merde! Tu sais, le genre de maladie que Amido avait là, j'aimerais avoir la qualité là. Tu vois, non? Toi, c'est pour goûter la femme de qui? Ok. Pourquoi tu regardes seulement le côté de la ça femme? Ça sera pour goûter la femme de qui? Ça sera pour goûter toutes les viandes qui passent en route. Comment tu regardes seulement la femme? Oh, merde! Tu ne vois pas que il y a un truc qui passe là. Tu connais un monsieur là qui joue au ballon jusqu'à... Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je dis, ce n'est pas toi qui envoies la vidéo sur les réseaux pourquoi sociaux. Pourquoi tu es direct comme ça? Mais parce que Chapesou Yahweh n'aime pas les contournements inutiles. Chapesou Yahweh, c'est un monsieur droit. Chapesou Yahweh, c'est quelqu'un quand il voit ce qui n'est pas bien, il dit que ce n'est pas bien. Chapesou Yahweh ne fait pas la politique. Chapesou Yahweh, c'est un homme qui est droit. Ha. Tout le monde a vu, tu as vu, j'ai vu que Clinton Zié a tourné le grand film. On ne dit pas tourner au grand film. Il a fait ce qu'on appelle le grand match. Il a fait ce qu'on appelle le grand match. Mais ce qui me dérange dans l'histoire là, c'est que les gens commencent à bavarder beaucoup. Il y a même une mauvaise langue qui a dit que oh, Clinton Zié a fait ce qu'il a fait là pour qu'on ne retire pas la CAN au Cameroun. Hey, Napia. Que comme il a fait comme ça, on va dire que non, il va devenir populaire, il va devenir star. Et puis. Donc, une star qui est déjà populaire devient encore star, encore comment? Je ne comprends rien. Devient star comment? Mais on vous a dit que les stars n'ont pas leur vie. C'est leur vie privée, c'est sa vie privée. Et il l'expose. Mais il dit qu'il était sous. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'il était sous? Aka, sous quoi? Quand on est sous, on manipule sa machine. Aka. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il a signé un nouveau contrat. Donc c'est l'argent qui l'a rendu fou bête. Et il allait voir. Oh, notre bien qui a la brasserie. Oh, gars, il a parlé. Tu vas payer les droits là-bas. Hein? Prononce encore le nom là ici. Tu vas payer là-bas. Je dis d'abord. Comme tu as d'abord saoulé tout à l'heure, tes infidèles t'ont bien nourri avec la cola. Tu viens saouler ici. C'est pas grave. Bon, normalement, on doit remercier Clinton Geno. Parce qu'il a donné une nouvelle phrase hein, sur le dictionnaire camerounais. Quand tu attaques maintenant une fille au quartier, hein? Si elle voit ta tête lui plaît, elle dit seulement que je vais te faire la Clinton J. Hein.
Et la Clinton Jail, là, c'est quoi? Comment tu ignores quoi? Dans la vidéo aussi, non? Ah, donc, que elle aussi, elle va te faire la vidéo, là. Voilà. Elle va te faire ce qui était dans la vidéo, là. Voilà, exactement. Si moi-même, je pouvais connaître comment on fait pour faire ça, je vais faire. En tout cas, hein, n'est-ce pas, on attend les MST. Tu vas voir maintenant que certains vont envoyer le MST maintenant, t'indiquant où elle se trouve pour te faire la Clinton G. Non, les pasteurs ne cherchent pas les femmes. Qui a dit que les pasteurs cherchent les femmes? Les pasteurs ne cherchent pas les femmes, parce que c'est les femmes qui cherchent les pasteurs. Non, même les femmes ne cherchent pas les pasteurs. Tu sais que tu es parti avec la femme du voisin l'autre jour, de l'autre côté, jusqu'à la grenade a failli te prendre, non? Mais on était seulement allé boire. Donc tu ne cherchais pas? Est-ce que je l'avais cherché? Seulement bois. Je n'ai pas cherché. Je suis sorti, j'ai vu la femme de mon voisin. Hey! Nous sommes partis. Ça, c'est les yeux d'un pasteur malhonnête. Hey! Kirikou avait raison. Si je me fâche, je t'envoie la guêpe. J'ai dit ce que je vois. J'ai dit, je me fâche, je t'envoie la guêpe. J'ai dit tout simplement ce que je vois. Tu appelles un pasteur qui comment fait, tu pars avec la femme malhonnête? Tu pars avec la femme du voisin et tu me dis que vous ne faites que boire. Monsieur, boire quoi? Monsieur, je te rappelle, monsieur, je te rappelle que depuis que je suis né, j'ai enterré au moins 25 personnes. Hein? Avec quoi? Donc je ne suis pas un simple pasteur. J'ai enterré au moins 25 personnes. Donc c'est pour te dire, moi-même j'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup fait quoi? Hey! L'événement de King Dada, c'est quand? Le 23 août. Ah, le 23 août. Oui. Donc, il y a encore, disons, 3 semaines. Voilà, tu as tout compris. C'est au cercle Bansoa. Cercle Bansoa, là, c'est situé même au nom, bon. Ça est tout. Hey! Là, au quartier de Nkoukouma. C'est de quel côté de son quartier? Là, on a goudronné ou bien là, on n'a pas goudronné? Il y a un côté là-bas qu'on n'a pas goudronné. Oui, il y a aussi la boue là-bas, hein? Au quartier de Nkoukouma. Je te dis, il y a les coins là-bas qui a la boue. Il ne faut pas dire les choses comme ça, hein? C'est le premier consommateur, hein? Comment tu peux dire qu'il y a la boue, il y a la boue dans le quartier du premier consommateur? Donc tu crois qu'on a, on a seulement cimenté partout jusqu'à les routes? Pourquoi faire ça? Le premier footballeur. Tu te rappelles quand tu quittais vers H-Copy. Le raccourci que Kirikou prend toujours pour sortir de l'autre côté là, c'est goudronné. C'est son quartier là-bas. Tu croyais que son quartier est qui? Mon frère, tu peux pas prendre les trucs où c'est à 10 km pour venir parler de quelqu'un qui n'a jamais vu ce qui est à 2 km de lui, mon frère. Toi, tu parles même quoi? Ce qui est à 1 km de lui, est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il voit ça? Tu es celui qui n'a pas vu. Même actuellement, là où tu es assis, il est en train de te voir. Tu m'as gagné. Tu as raison, j'ai tort. Il est très fort, hein? Bon, je ne sais pas si tu as les MST là-bas. Non, c'est toi qui as ça là-bas. Ok. Tu vois bien. C'est pas grave. Attends, je fouille là. Le MST. Voyons voir. Il y a quelqu'un qui dit là que vous bavardez trop, mais il n'a pas signé. Et... si tu... Je vais te lancer l'épilepsie. Je wanda même sur les gens ici. Envoie-moi ton nom. Je vais te lancer l'épilepsie. Je wanda sur les gens ici dehors. Hein. Tu dis qu'un pasteur bavarde trop? Regarde ce qu'on a écrit. Elle dit que les Barantais sont les blancs de l'Ouest. Bonsoir à vous. Les hommes sont des gros menteurs. La semaine dernière, vous osez indexer les Barantais. C'est Morel qui nous envoie le message. Elle dit que la semaine dernière, c'est la semaine qui est derrière. Nous sommes devant. Je ne fais que lire ce que je vois. Hein? Ça, c'est quelle histoire, ça? Et elle dit que l'émission est bien. Elle est gentille, hein? Bonjour, mes tontons, je vous vois là. Il n'a pas signé. On nous voit là. C'est ce qu'on a écrit, je ne fais que lire.
Tu dis quoi? Une femme qui regarde votre émission a fait quoi? En tout cas, je vous récupère au retour. Parce que, tenez-vous tranquille. Comme vous dites que les mérés noirs là sont peureux, moi je suis courageuse. Aïe, c'est Nathalie. Qui envoie l'autre là? Tu entends ça? Ah, 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 ah. Tu as faim, hein? Viens manger le couscous avec la sauce tomate. Cesse de dormir, pasto. Ouais! Que tu viens manger le couscous avec la sauce tomate, que tu dois arrêter de dormir. Voilà une bonne infidèle. Mmh. C'est une infidèle qui t'aime, hein? Et tu dis? Les infidèles même pas. Oh là là. Bonsoir les amis. J'aime bien l'humour. Car il permet de nous divertir. Oh, donc, il y a quelqu'un qui a envoyé un message ici. Donc merci pour tout. Son nom là c'est quoi là? Ok. Il n'a pas mis son nom. Il n'a pas signé ici. Bonsoir mon grand, en bleu, en noir bleu. Noir bleu. Il dit, pourquoi tu es laid comme ça? Qui est en noir bleu ici? Je sais. Il y a des gens qui refusent de voir les couleurs. Donc je suppose qu'il voulait envoyer ça. Non, c'est qu'il était toujours avant-dernier de sa classe. Le jour où le dernier ne venait pas, il le remplaçait. Il a mis l'homme à l'école, mais il n'a pas beaucoup fréquenté. Le lait est sucré. Et sans le lait, tu ne peux pas faire une bonne tasse de café le matin. Voici encore quelqu'un que tu connais qui a envoyé un SMS. C'est qui? C'est comme si je... Il dit, salut, c'est Guizot, DJ le catalyseur. Vous êtes mes number one. Je kiffe votre show. C'est Guizot le catalyseur qui l'envoie. Pascaline dit, bonsoir à vous en studio. Les Camerounais sont jaloux de Kintonzi. Chacun a une vie, tout comme lui. C'est Pascaline. Donc Pascaline dit aux Camerounais que les Camerounais sont jaloux de Kintonzi. Car Kintonzi doit aussi avoir. Voici l'autre. Les gars, faites-moi rire encore davantage. Je veux oublier toutes les mécènes que ma copine m'a fait endurer cette semaine et la semaine dernière. Vraiment, vous battez du bon boulot. La personne n'a pas signé. Non, c'est gentil. Il y a Pélagie qui envoie. En studio, je suis d'accord avec le pasteur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si le ministre algérien a déclaré qu'ils sont prêts à organiser la CAN, si les Camerounais ne le font pas, c'est que Ahmad a déjà causé avec les gens-là. Donc, il a déjà pris aussi leur mallette d'argent. Mais un seul mandat à la CAF te suffit, mon vieux. Donc quand tu envoies le message pour insulter comme ça, tu ne donnes pas le nom, tu ne signes pas. Voici l'autre. Bonsoir, moi c'est Magne. Ça sort comme ça sort. Ce que vous dites là, ça ne me surprend même pas. S'il veut prendre l'organisation, qui dit que donnez-moi? Parce qu'ils déclarent qu'ils sont prêts. C'est Magne qui envoie. Bonjour à vous, c'est Michael qui vous salue. C'est Michael qui vous salue. Bravo les gars, vous dites que les niais, on fait comment? Michael, nous on n'a pas parlé des niais ici. Oh. Assume seul. Il faut assumer. Assume. Allô, 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 allô? Allô là-bas?
Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Oh là là, je m'appelle Didi. Je vous kiffe vraiment. Vous me faites mourir de rire sur mon lit. Ciao, ciao, bis, bis, bis. Bon boulot à vous, les dinosaures du rire. Mais pourquoi tous ces jours, vous n'êtes que deux? Oh. Oh. On a pu continuer. Les gars, bonsoir à vous. Je m'appelle Bibiane, depuis Colmessen. Les gars, vous n'organisez plus le spectacle. Je veux vous voir. Je suis prêt. C'est comme ça qu'ils disent souvent. Bonsoir, mes grands. Juste pour vous dire que je vous kiffe. C'est Duplex Roméo. Duplex Roméo qui vous dit je vous kiffe. Salut à vous, c'est Amand Choco. Vous êtes géniaux. Courage à vous. Ça, c'est Amand Choco. Ok, les gars, sans souci. Votre émission est bonne. Je vous kiffe. Stéphane dit seulement cool. Voilà. Chez moi. Ok, je salue un tonton, il s'appelle Guy Noyau. Guy Noyau. Hey, Guy Noyau, il a vie encore. Oui, oui, non, il vit. C'est un long temps, man, je n'ai pas vu. Il vit derrière Temi Mimoman. Il vit là-bas. Le quartier, l'ancien quartier de Sylvain. Mais Sylvain est maintenant loin, hein. Hey. Je salue Madame Tchatchou Arsène. En tout cas, envoie les salutations gombotiques. Tu sais que la semaine dernière, les salutations gombotiques que j'ai envoyées. Les messages ne font que venir. Tu connais Lucrèce? Hein? C'est qui là-bas? Message non signé, ne pleure pas, je suis le petit frère de Clinton. Tchao. Le nom, bon. Il cherchait Astamania, il faut aussi. Il s'appelle Dja. Il dit qu'il est le petit frère de Clinton. C'est pour lui là-bas. Je sais que même si on envoie un message là maintenant, on demande de libre. Tu sais que la semaine dernière, le lancement gombotique que j'ai envoyé, sur 5 que j'ai envoyé, 2 ont payé, non? Ah bon? Ok. Mais là, tu lances 10 aujourd'hui. Normalement. Je suis prêt à passer à l'assaut. Pendant que je prépare mes salutations gombotiques, je parle ta part. Mais par contre, tu connais Lucrèce, non? Je parle de la petite sœur de... On l'appelle comment? C'est Koulangou. Hein? L'ancien oué de Yorobo. Elle suit toujours l'émission en direct. Elle s'appelle Kebengou. Elle a dit qu'on doit la lancer en non, direct. Non, son nom, c'est Kebengo. C'est Kebengo. Voilà. Elle est là en train de suivre ça avec bébé Grâce. Ah, bébé qui? Grâce. Donc, bébé là est Grâce comme ça. Oui, oui, bébé Grâce. Bébé Grâce qui vend les... Bon, Kebengo, on te lance. Voilà, on te lance. Tu as menti seulement. Tu as dit que c'est l'angle de qui? Non, j'étais un lapsus. On ne sait jamais. Tu sais que Roger est venu me rendre visite. Hein? Mais seulement il n'a pas faroté. Pourtant, il est lancé. Je ne connais pas Roger. Ndjakatou, non? Ndjakatou. Voilà, même Père Oiseau. Ah bon? Il est venu me rendre visite. Il dit que j'avais les visites, hein? Non, ça veut dire quand toi tu appelles le nom des gens à la télé, ils te rendent visite. Je t'ai dit. Non, même Papa Bernard est venu me rendre visite, qu'il faut qu'il appelle aussi son nom. Non, là, je ne vais plus appeler le nom des gens ici, ça va. Je n'appelle plus le nom des gens. Il y a le grand chien qui était très content. Ah, le big chien. Voilà. Il était content. Il dit ouais. Et non, ça, c'est la sécurité. Ça, c'est la sécurité assurée. Assurée. Voilà. Oui. Il y a aussi le professeur de sciences. Professeur de sciences à science. Il m'a donné une bière. Toujours Congo, les bons. Il te dit que lancement en pays. Toujours Congo, les bons. Là, tu vois l'ensemble vide sur la tête. Normalement. Au barré.
Faut pas faire comme ça là. Manas, tu refuses la bonne le bouillie, hein? On ne sait jamais. Bon, c'est vrai que ça fait depuis quelques jours, je ne bois même plus la bouillie. Et tu vois que depuis, je n'ai même pas lancé. Manas, c'est passé, je n'ai plus bu la bouillie depuis. Donc, ah. Non, lance aujourd'hui, tu vas boire la bouillie demain depuis matin. Depuis, je passe là-bas, elle n'est même pas là. Ah, ouais. Ah, elle est partie au village. Non, peut-être elle est allée en vacances. Non, elle est partie au village. Non, je suis sûr qu'elle elle est partie nous ramener les arachides. Juste que c'est le moment. Est-ce que les mamans partent aussi en vacances? C'est ce que moi-même je me demande souvent. Bon, je vais aussi lancer toute la communauté Baok. Baok Fenganfe, le foyer de l'autre côté de Carrefour Mec. Carrefour Mec, juste derrière la station là. Ouais. Voilà, donc, le foyer là-bas. Parce qu'il y a le président, hein, que lui lance d'abord, papa Elias, papa Njeji Elias. Donc, qui est en train de faire le voix bébé demain. De son... Il voit bébé, il voit quel bébé? Non, de son fils. Il voit, oui, voit son il... fils qui est né ouais. Il y a de cela un donc, mois. Ça veut dire depuis que son fils est né, il n'a pas vu son fils. Non, non, voix bébé, ça c'est, pour que, ça c'est pour que la réunion vient rendre, okay, voir okay, le bébé. Okay, okay. Hein, et laver le bébé avec lui et aussi procurer du savon, tout bon. C'est ça qu'on appelle voix bébé. Voilà, donc c'est demain. Demain à partir de 17h. Bon, dans son domicile ça, là-bas, ça, comment on appelle ça, à sec, voilà. Voilà donc. Hey, il y a aussi Mirabel de côté de Ngousso qui suit toujours beaucoup cette émission. Voilà, je la lance. C'est le lancement gombotique. Hein. Je n'oublie pas aussi papa Abraham. Tu le connais, non? C'est un fan. Là-bas, on joue tout psy. Ah, oui, oui, oui. Le père qui voit toujours l'émission. Là. Voilà. Bon. Donc, je lui lance. Je lance aussi Pascaline. Pascaline, c'est la coco de. Je te donne aussi. Je te donne aussi un gombo. Hein. Tu vois, après Anichola, la quinclerie là. Pemondo. Il est toujours en train de voir. Est-ce que les Bouddhas suivent la télé? C'est ce qui me wanda. Il dit qu'il voit la télé jusqu'à quand on coupe la lumière, il ferme la boutique avec la télé allumée sans s'en rendre compte. Ah bon? Il te dit. Il voit l'émission aussi. Jusqu'à. Et il est concentré. Tu demandes même que la clé, si c'est combien? Il n'entend rien. Parce qu'il est en train de voir la télé. Il est en train de voir la télé. D'accord, tu sais, il faut que tu ne laisses pas. C'est que... Et tu crois que c'est moi-même bon, qui va rester? Non, je lance quand même les jambes. Ouais, lance tes jambes. Bon, Je commence par lancer Maman Mani. Maman Mani du quartier, c'est là où je tire souvent mon nom. Non? Je lance Maman Mani, Sylvie, je lance Maman Mani, Kemayo. Aujourd'hui, je lance seulement les Mani. Non, je lance aussi les MAF. Je lance MAF, Chamda, Tankwa. Elle est du côté de Omnisport. Mm-hmm. Ça, c'est une maman que si elle meurt pour les jeunes, hein? Mm-hmm. C'est-à-dire si elle meurt pour un Camerounais, c'est qu'elle dort seulement. Ouais. Elle, c'est une maman au cœur large, quoi. Je lance tous les MAF qui sont en train de m'écouter. Lance toute la grande communauté Balengu de Yaoundé. La communauté Balengu. Mm-hmm. Et tu sais, depuis, on a même plus les invités ici. Hein. Ah. C'est vrai que la vie s'est devenue dure. Et t'es dit on a même que même les invités veulent fuir. Les invités ne viennent plus, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'argent pour eux. Un pouja. Parce que quand on vient, il faut ja. Il faut ja. Non, ça veut dire qu'on va inviter maintenant Mani Sivi. Ah bon? Oui. Là, il faut qu'on invite Mani Benzikina ici. Ndjakatou. Pourquoi quand on parle, tu penses seulement à Ndjakatou? Parce que c'est que Ndjakatou va chauffer le coin. Ok. Il va faire mal. Conclure alors l'émission. J'ai compris quoi sur ça? Si moi je l'avais un coup, je m'en fous. Non, en tout cas, c'est tous les jeudis. Voilà, jeudi prochain à 14h30, soyez à l'heure et à temps. Pour une nouvelle édition. Parce que ça va chauffer. Parce que ça va brûler. Et cette fois-ci. Et là, ça va bader. On ne sera plus seulement à deux. On sera à trois. Même à quatre. Et plus l'invité. Même cinq, même pourquoi vous pas. Vous avez vu quoi? Vous allez voir ça.